Eh bien, le forum éduqué pour demain J-1 commence demain. Près de 2000 personnes venues de l'ensemble du territoire métropolitain, des DOM, mais aussi d'un certain nombre de pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, vont nous rejoindre dès demain midi pour ce grand rendez-vous citoyen sur l'éducation. C'est un événement national, européen, international. Donc un certain nombre de délégations étrangères nous rejoignent pour ces 4 jours. Dans les indications que l'on m'a données ce matin, c'est 64 délégations étrangères qui seront présentes. Notre mouvement, nous l'affirmons, nous le voyons. J'en ai la preuve autour de moi, c'est aussi un mouvement de jeunes. Beaucoup de jeunes participent à nos activités, notamment en s'engageant dans l'animation volontaire. On a souhaité que ce forum puisse également avoir une empreinte finalement de la manière dont les jeunes vivent cet engagement dans notre organisation. C'est aussi, je ne l'ai pas dit, des moments de convivialité, de rencontres, d'échanges autour des soirées festives. C'est aussi un moment d'accueil à la ville de Toulouse. C'est aussi un hommage à un grand militant des Francas issus de cette région. Ce forum et ces 4 jours, c'est pour les 3 premiers, réfléchir, je l'ai dit, construire ensemble, se nourrir d'expériences des autres territoires, et c'est se quitter le dernier jour avec une perspective commune, en affirmant, comme on l'a fait à l'occasion de la campagne des élections présidentielles et législatives, que l'éducation, ça nous regarde. Et surtout, on vient y montrer ce que l'on fait sur son territoire en termes de projets, d'initiatives, et nous aurons 250 Agora projets qui témoigneront de la richesse, de la diversité de l'action éducative locale conduite par les propres participants du forum. Et j'appelle bien sûr les participants à utiliser cette richesse et à la fois de la découverte finalement de l'environnement toulousain, de son patrimoine et du contenu des ateliers, des agora qui leur seront proposés. Voilà, c'est une manière pour nous aussi de penser l'éducation, c'est-à-dire c'est la pensée dans un environnement, dans un environnement territorial et pour le forum, plus particulièrement dans l'environnement toulousain.